Madame ne va pas commenter l'actualité, mais elle va répondre aux questions de Métropole. C'est le plaisir pour moi de vous accueillir, Madame. Merci et bienvenue à Métropole. D'accord, merci. Bonjour Wendel. Bonjour et aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Vous êtes Première Dame de la République. Je me rappelle vous avoir déjà posé cette question lors de votre bref passage à Métropole il y a environ 6 ou 7 mois, si ma mémoire ne me fait pas défaut. La question était, vous êtes en fait la première conseillère du président de la République. Comment vous gérez, comment vous gérez le rôle, votre rôle de Première Dame? Et en même temps, à quel moment vous éprouvez le besoin de prodiguer des conseils, pas à votre mari uniquement, mais au Au président. président? Bon, c'est un rôle assez stressant. C'est un rôle assez stressant vu la conjoncture et tout ce qui vient avec. Et donc, je le prends assez bien. Ce que je fais, j'essaie de ne pas écouter ce qui se dit autour de moi. Parce que les choses méchantes qui se disent, c'est pour vous décourager. Et quand vous êtes découragé, vous ne pouvez pas être bonne conseillère. Parce que vous n'avez pas et la latitude qu'il faut maintenant pour conseiller et l'homme et le président. Parce que c'est deux personnes différentes, l'homme et le président. Donc, les choses méchantes, je les entends par personne interposée. Donc, Là, vous parlez des critiques. des critiques. Quand il y a des critiques formulées. Oui, en effet. Parce que les critiques, quand vous les entendez directement, même si vous êtes vraiment forte, ça va en quelque sorte vous déranger. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour et la personne m'a dit, Martine, mec, comment tu es? Je lui ai dit, mais ça va, je vais bien. Oh, comment tu peux être bien dans cette conjoncture? Il dit, mais je ne laisse pas la conjoncture m'atteindre. Parce que si la conjoncture ne t'atteint pas, tu peux toujours donner des conseils et tes conseils seront judicieux. Mais si ça t'atteint, parce que c'est ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de problème avec toi en tant que personne, ils ont problème avec la position. Donc c'est détruire cette position-là pour atteindre l'homme qui est à l'arrière. Quand, par exemple, vous réalisez que le président a commis une erreur ou bien a commis des erreurs, comment vous vous arrangez pour, en fait, pour lui dire que, écoutez, Jovenel, je ne sais pas, vous avez commis une erreur. Alors dites-nous, partagez ça avec nous si c'est possible. Donc il faut dire que je l'appelle Jovenel seulement quand je suis fâchée. OK. Mais après, je lui dis toujours, mais les erreurs qu'il commet, je lui dis toujours, il faut que ça vienne de là et de là. C'est toi le président, la dernière décision, c'est à toi de la prendre. Donc je peux toujours te conseiller. Et des fois, je vois les choses venir et je lui dis, donc, fais ça ou ne fais pas ça. Mais lui, c'est ce qu'il ressent qu'il fait, parce qu'il le fait en fonction de lui-même. Parce qu'avant tout, il était un homme de cœur. Mais des fois, avec la politique, il faut le cœur, il faut également la tête. Il faut qu'il y ait une balance. Et ce n'est pas évident que des fois, il arrive à faire la balance, mais. Et quand il fait les erreurs, il les assume. Ce que j'essaie de ne jamais lui dire, c'est je te l'avais dit. Pas de rappel. Non, pas de rappel, on poursuit parce qu'on passe toujours à autre chose. Donc, c'était une erreur, l'erreur a été faite, elle a été commise. Tu gères, tu corriges et tu vas de l'avant. Parce que l'essentiel, c'est tu veux faire des choses structurantes, ces choses-là, tu ne peux pas les faire facilement, on ne va pas te le permettre. Donc, il faut gérer les problèmes et continuer à travailler. OK. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, Madame la Première Dame. Dernier jour, ça y est, il y a des reproches, on dit des critiques, si vous voulez, que y a fait, y a cité non, comme le monde qui t'a impliqué dans réunion qui fête la Saline et qui t'a pral débouché sous ça, un peu monde relé, sous ça, quelques monde relé, massacre qui fête ces dernières semaines, ces derniers jours, la Saline. Pour la vérité, Madame la Première Dame, qui dernière fois est à la Saline? La Saline, le 13 octobre 2017. Qui ça que même la Saline? 13 octobre 2000. 2017, ça fait plus d'un an. Non, mais je vous parle de présence récente selon les informations, pas les Exactement. informations, mais selon ce que j'ai appris, selon ce que j'ai entendu. Là, vous parlez d'octobre 2017. D'octobre Nous sommes 2017. en Parce que, 2018. oui, nous Vous sommes en n'étiez pas à 2018. la Saline avant? Je n'étais même pas en Haïti. Parce que j'ai fait deux voyages qui étaient un petit peu collés, Canada et puis Rwanda. Donc, entre ces deux voyages-là, je n'ai pas eu de visite à l'extérieur. Donc, j'ai juste préparé les voyages et je suis partie. Donc, j'étais réellement à la Saline, oui. Mais c'était en
octobre, le 13 octobre 2018. Et j'étais allée à la Saline, c'est pour le centre, parce que les gens de la Saline souffrent au côté centre. Parce que vous savez, en plus des enfants, le côté santé vraiment m'interpelle. Et ils n'ont pas de centre de santé à la Saline. Donc il y a le centre médico-social qui est là, qu'une ONG, c'est une ONG qui s'en occupe. Donc c'est aller voir, parce que l'espace est pratiquement libre, parce que et l'espace est encore bien, parce qu'il n'y a pas de fissure. Le bâtiment est encore bien, on peut s'en servir. Sauf qu'il faut refaire les plafonds, il faut refaire les fenêtres. Et puis, c'est un bâtiment, il faut refaire la peinture, et puis c'est un bâtiment qu'on peut utiliser. Mmh. Mais l'État ne peut pas le faire parce que c'est pas sous le contrôle de l'État. Mmh. Ce n'est plus sous le contrôle de l'État. Donc j'ai été à ce moment avec la DINEPA, avec le ministère de la Santé. Je voulais aller également avec le ministère de l'Éducation. Malheureusement, il n'était pas disponible parce qu'il y a une école qui est tout près. Je voulais faire d'une pierre deux coups. Mmh. Donc je suis allée, j'ai visité. Et la ministre était en train de faire le suivi avec l'ONG. Mmh. Donc l'ONG voulait, pour que le centre soit réparé, avoir un espace parking. Mmh. Mais l'espace n'appartient pas au ministère de la Santé publique, mais au ministère de l'Éducation. Donc la ministre a écrit au ministre de l'Éducation qui a gracieusement offert l'espace pour le parking. Donc là maintenant, et on va réparer le centre pour que le centre soit disponible. Vous avez des rapports avec le fameux bout de Jean-Jean? C'est quelqu'un, si je le rencontre, il peut passer, je peux passer, je ne saurais même pas si c'est lui. Parce que ce que j'ai fait, j'évite de regarder les réseaux sociaux, parce que vous savez que ça stresse. Mm-hmm. Donc les visages, je ne les connais pas. Mm-hmm. Donc pourquoi les connaître également? Puisque je suis dans le social, je ne fais pas de politique. Mm-hmm. Alors, le sens de ma question, c'est, je voudrais justement, comme bon nombre de personnes qui nous suivent là, souhaitent connaître la vérité. On rapporte que vous avez participé à une réunion à la Saline récemment et à cette réunion étaient également présentes d'autres personnalités dont le délégué départemental Boudjian-Jean et un présumé bandit recherché, bon, qui serait maintenant aux ordres de la justice selon les infos disponibles. On parle aussi de distribution d'argent, on parle de distribution d'armes, on estime que tout ça est arrivé après votre présence à la Saline, Madame la Première Dame. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que je suis allée à la Saline, mais c'était le 13 octobre 2017. Ça fait plus d'un an de ça. J'étais allée pour une question de santé et pas pour autre chose. Et je n'étais pas seule, j'étais accompagnée avec les entités qu'il faut pour résoudre les problèmes. Parce que vous savez qu'une Première Dame, c'est un titre honorifique. Donc, il vous faut les institutions pour résoudre les problèmes que vous voyez. Donc, je répète, je suis allée à la Saline, mais le 13 octobre 2017. Pas 2018. Non, pas 2018. Et ce que je veux dire aux gens qui le disent, cessez d'être méchants. La vérité doit être votre boussole. Vous tirez toujours cette phrase cliché, « Ah, c'est politique m'a fait. » Mais avec la politique, cessez de détruire les gens. Non, cessez, s'il vous plaît. Utilisez la vérité comme votre boussole. Madame la Première Dame, on va revenir sur les incidents de Pèlerin 5. Okay. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, on m'accuse. On m'accuse de tous les maux. Tout ce qui va de travers dans le pays, c'est moi. Bon, comme vous l'avez dit, tantôt parce que vous êtes la Première Dame, parce que vous avez les oreilles du président. Exactement. Mm-hmm. Mais c'est que ces maisons-là, elles ont été détruites déjà en 2012, je crois. Et je n'étais même pas dans la politique mm-hmm. à cette époque-là. Et je n'étais même pas à Port-au-Prince parce que j'ai toujours vécu en province. J'aime ma ville natale. Mm-hmm. Comment est-ce que j'aurais pu détruire des maisons qui ont déjà été détruites? C'est que s'il y a un processus qui a été commencé il y a de cela longtemps. Donc à chaque fois qu'on les détruise, ils vont être construits. Non, mais j'ai vu quand même des engins lourds en train de démolir certaines maisons. C'était pareil la première fois. Ils ont fait tout ce tollé parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Ils veulent nous attaquer. Mais ce n'est pas la première fois qu'on détruit ces maisons-là. Ok, mais à la base de quoi? C'est la DGI qui le fait c'est ou la bien? DGI, c'est la DGI. La première fois, je pense que c'était Pétionville. Mm-hmm. C'était Pétionville qui l'avait fait, maintenant c'est la DGI. Parce que là-haut,
où j'habite, j'habitais un petit peu en bas de la colline, mm-hmm. mais c'est une zone où à n'importe quel moment, il peut y avoir un glissement de terrain. Mm-hmm. Donc à ce moment, on va nous dire que vous n'auriez pas dû laisser les gens se construire là. Mm-hmm. Mais nous avons trouvé ces constructions-là. Et d'autant plus, ce n'est pas notre maison, c'est une maison qu'on a louée. Mm-hmm. Donc, qu'on remettra après les 3 ans qui vont venir. Je sais aussi que vous avez tenté de rencontrer les familles victimes. Et qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Je n'ai pas tenté de les rencontrer, j'ai rencontré plusieurs d'entre eux. Et donc, je leur ai parlé, je leur ai dit, donc, ils ont mon soutien, ils ont mon soutien. Donc, quand même, il y avait, quand les maisons sont détruites, il y a toujours une somme qui est prête pour les gens, pour les reloger, ou bien s'ils veulent, pour les reloger en quelque sorte. Donc la DGI avait prévu tout ça, mais moi, je ne suis pas vraiment au courant. Ok, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes? Bon, ce qui va se passer, c'est que les gens, quand même, ils vont prendre l'argent, ils vont reconstruire à la même place. Puisque la DGI va les dédommager. Mm-hmm. Donc la DGI va vous donner de l'argent, puisque c'est comme ça que c'était fait la dernière fois. Ils ont pris l'argent du dédommagement et on reconstruit à la même place. Je sais que vous vous engagez dans la lutte pour l'éducation pour tous, surtout l'éducation des petits. Oui. Et quand vous les regardez encore en nombre si important, si imposant à travers les rues, qu'est-ce que ça vous dit? Ça me touche beaucoup. Ça me fend le cœur des fois parce que j'en ai parlé au président, il a dit que s'il faut retirer tout le monde dans les rues, tous les enfants, pour les mettre à l'école, il lui faut 15 000 salles de classe. Donc il travaille dessus pour avoir ces 15 000 salles de classe et éventuellement retirer ces enfants dans les rues et les mettre dans une école. Parce que l'enfant, pourquoi la petite enfance c'est mon dada, c'est parce que la petite enfance de 0 à 6 ans, l'État n'a pas vraiment de projet pour cette tranche d'âge. Mm-hmm. À partir de 6 ans, vous pouvez trouver plein de programmes. Mm-hmm. Mais de 0 à 6 ans, il n'y en a pas. Donc c'est pourquoi j'ai travaillé beaucoup avec la BID pour pouvoir obtenir un centre de petite enfance. Je vais le faire naturellement dans le Nord-Ouest, ce sera un centre pilote. Mm-hmm. Et à partir de ce centre-là, on pourra répliquer dans tout le pays. Le Nord-Ouest, c'est chez vous, non? Oui, c'est ça. Ah, ok. Donc, charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Ok. Donc, je pense que grand pile monde est dans le Nord-Ouest, dans Port-de-Paix, c'est ouais, ça qui a suivi nous. Ouais. Et qui a veillé pour prendre au mot. Oui, oui. Je vais Je ne vais pas avancer à grand pas parce que le projet est fin prêt. Bon, c'est même Jean pour mon pèlerin, oui, avec l'annonce qu'on fait là, que DG n'est pas réparé. Et pas moi qui fais l'annonce là, non. Moi, je dis que je connais que DG est un cop qui est prêt. Non, alors comme c'est vous qui dites là. Oui, je le dis parce que je connais ça. DG est un cop qui est prêt, même Jean première fois. Là, que tu es crasé, tu es dédommagé, tu es pris un cop là, tu es reconstruit même côté. Même pas, c'est que c'est ça que pas le fait là encore. Puisque c'est. Quand tu regardes, c'est vraiment une répétition. Mais où dis-nous, c'est pas que je voulais retourner, mais comme c'est une question d'actualité et à rebondissement, si vous voulez, il n'y a pas de gain pour parler de lui. Où dit que, ou même avec ce président, il n'y a pas de gain pour nous faire ça, quand il est écrasé déjà, et il est reconstruit. Donc, ceci dit, même si il y a un cobla encore, il n'y a pas de cobla, il y a pour reconstruire. Il y a pour reconstruire encore. Mais quoi de problème? Pas de moyen de trouver un autre espace pour eux? Non? Bon, est-ce que tout dit qu'ils ont acheté, dans des témoignages, des réactions, tout dit qu'ils ont acheté caï. Est-ce que eux-mêmes ont une prédisposition pour aller de l'autre côté? Parce que tu sais, quand tu as une maison, tu t'y attaches. Même quand la maison est détruite, par exemple, les maisons qui sont détruites dans les tremblements de terre, mais tu vois que la personne met une tente dans sa cour et la personne reste là jusqu'à reconstruire sa maison. Donc c'est pourquoi je dis que, puisque ça c'était déjà fait en 2012, ça va encore se refaire. Ils vont prendre l'argent, ils vont reconstruire à la même position. Ok. Nous commençons l'interview avec une question que me dépose, et c'est peut-être dernier ma pose avant de prendre pause là. Ok. C'est sous, si vous voulez, type de conseil qui ont encadré président. Ou qu'a dit, moi, comment nous avons vu le dernier événement qui se passait là, les émeutes, manifestations de rue, barricades, protestations et autres. Qui j'en ou même avec le président, nous te vivre mon mensage. Bon, nous te vivre de manière sereine parce que en quelque sorte, nous pas connaît que le tap bien en plus ça, mais nous connaît que le tap vini. Parce que soit regarder ce qui a passé en France là, je dis, ou pas qu'a dit c'est pratiquement même bagarre là, mais c'est même les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc, grosse série de exigences qu'on te fait pour te prêter
Donc, il te faut des fois suivre les exigences, même et leur exigence pas le formal puis devant. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui t'a décidé pour nous monter gaz là. Donc, c'était en quelque sorte une exigence qui a été faite. Mm-hmm. Mais l'exigence a été faite, l'exécution a été mal faite. Puisque gaz a été monté déjà, tout le monde l'avait accepté. Mais on devait sur chaque cargaison mettre 5 gourdes. Mm-hmm. Donc, 5 gourdes, ça peut se supporter au fil des mois. Mm-hmm. Mais l'on prend toute comme la comité ensemble, les anti-jambes ont un problème. Donc, ça veut dire que nous pas d'accord que augmenter gaz en jambes, on fait là. Bon. Lors prend décision, toujours mettre en place mon nom, capable vivre décision, pas retirer ou la donne. Donc, sous mettre en place mon nom, quand le bureau passe, je dis à deux, un montant, côté déjà à goumer avec pour te faire gaz dans ma chaîne, parce que ou pas vraiment de moyens, il passe en l'autre montant, qu'on vit nous, qu'on pas de possibilité, mais qui sont pour le faire la couleur. Donc, tu n'as pas le choix. Mm-hmm. Donc, ce qui est arrivé devait arriver, mais c'est malheureux. Mm. Ce n'est pas dans ma bouche que ça devait sortir, parce que même c'est social, plus fait, et la question est très politique. Mais... Oui, oui, c'est vrai. on a des petites questions politiques, par exemple. Lorsque autant de Mounio, il a dit, il faut que je vienne aller, il a demandé des paroles, ou même. Moi, c'est ce que je te dis. Les choses, je m'attendais directement. C'est moi qui viens dire. C'est moi qui viens. Ouais, les plans que j'ai dans ma tête, j'ai des plans pour au moins 150 ans. Je ne peux pas vivre 150 ans. Mais il faut réfléchir grand. Pour arriver au cœur du cœur de ce que tu auras à faire. Donc, est-ce que je vous dis, capable de dire, non, Madame la Première Dame, quelque chose que tu as pu réaliser à la fin du mandat de Jovenel Moïse? Oh, grand pile, Madame Daniel, c'est un pile. Mais est-ce qu'on gagne particulièrement quoi travailler sur vous? Oui, bien que on travaille sur vous que et. En tout cas, pas bon moi tout à l'heure. Eh bien d'accord. Vous suivez Madame Monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, la Première Dame de la République, Madame Martine Moïse. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Merci Madame Monsieur de votre patience. La Première Dame, Madame Martine Moïse, est notre invitée ce matin. Avant de retourner sur la question avant pause, il y a un auditeur. Par contre, c'est mon port de paix que lié. Okay. Il dit que y a un plus service qui a rendu Marie ou Monsieur le Président, c'est votre port de paix pour ta fête. Vous l'avez commencé déjà. Vous l'avez commencé en bon titre. Et ça okay. Fait que vous l'avez fini, c'est parce que. Le président n'a pas voulu faire rien démagogique. Il y a un parti dans la route là, côté souffle là, premier cyclone qui passait à la Brazil, et on peut retourner dans la même sortie en vent. Donc, il y a une bifurcation de 10 km qui fait à l'intérieur, dans le monde, etc. C'est de quoi? Pas une rivière qui passait là. La route là, elle fait la bifurcation en fait, la route là, elle fait net, elle n'est pas crasée. D'autant plus, c'est pas de me lever. Ce n'est pas depuis que je dis que je grandis, même l'homme de l'école pour le presse, mais chaque petit vacancier, c'est là malé. Donc tous mes souvenirs sont à port de paix. Business, moi, c'est là où il est jusqu'à présent, parce que je ne vais pas faire mes quitter mon projet. Donc l'homme sorti là à côté de la position côté de moi, c'est la position que j'étais avant, je vais le tourner. Donc c'est là que je vais le passer. Donc j'ai intérêt pour la fête. J'ai une usine asphalte qui a déjà monté la cul, qui a pris la route là, sorti la cul. Pour aller en Safouleur et la prendre tout de notre côté, sortir la cul pour aller à Kafoujof. Et tandis que Kafoujof, il y a un travail pour venir joindre la cul. Donc, route là, la finit quand même parce que c'est route, ma route, je vais passer, je vais d'accord, je vais finir. Ok. En retournant sur la question avant pose l'homme, de dire que, est-ce qu'il y a quelques projets personnels en tant que Première Dame? C'est vrai, c'est un poste honorifique, nous allons retourner sur ça tout à l'heure. Par exemple, est-ce que le bureau de la Première Dame gère de l'argent? Si oui, c'est quoi le budget? Et d'après mon dit nous tout, et quel projet qu'on gagne pour réaliser en tant que Première Dame et qu'on a prévu réaliser avant mandat président Jovenel Moïse bouclé? Rêve moi c'est cette petite enfance là. Cette petite enfance là, lui englobe tout service que Antimone éventuellement a besoin pour le vivre dans le monde demain. Des centres de petite enfance, ou bien un centre, un grand centre de petite enfance? Je voulais faire une, au lieu de faire un grand en côté, c'est faire des centres dans une à chaque département. Et à la longue, peut-être mon cap venir, s'il les continue sous la même lignée, les cas faire dans d'autres grandes villes qui ne sont pas obligées dans le chef-lieu. Cette petite enfance-là, il y a une possibilité pour que les gens non seulement l'école,
il y a 3 ans, au lieu de gagner 2 ans préscolaires, il y a 3 ans préscolaires. 3 ans préscolaires, là, il y a un médecin qui vient visiter au fur et à mesure. Donc, quand il y a vaccination, il prend tout le vaccin. Il y a une rencontre qui est faite de manière périodique, des rencontres mensuelles avec les parents, parce qu'il y a des enfants qui vivent des situations vraiment difficiles à la maison. Et si y a un travailleur social qui peut parler avec eux, faire comprendre que mais qui problème nous gagne, un autre chita pour nous parler problème nous résoudre, si moun n'a absenti le mieux. Donc tout ça englobé en centre de petite enfance. Donc pilote là a fait dans Nord-Ouest, rêve moi en vain. Bon, c'est que son gros rêve, moi connais même pas qu'il est réel. C'est seul rêve que me gagne, moi c'est que me capable de réaliser parce que c'est seulement 3 ans que t'es et il prend temps pour implémenter le. Donc pilote là fait dans Nord-Ouest. Donc c'est à gagne une dans chaque département yo, pour que tout le monde dans le pays a capable de bénéficier. Vous avez une idée de combien de ça va coûter pour vous? Parce que c'est bid cap financier. Bon, je vais entrer dans le COB, tout ça me fait, c'est mettre l'idée ensemble pour que tout le monde ait besoin. Le reste, et les gens qui s'en chargent, ils s'en chargent. Ok. En outre, il y a des gens qui disent que la première dame n'a pas toute autorité, tout pouvoir, ça, elle n'est pas capable d'en distribuer l'argent et elle estime que partout, elle peut faire cadeau, distribuer. L'argent et autres. Parlez-nous du budget, bureau Première Dame, non? Première Dame, Wendell, comme on connaît, c'est un titre honorifique. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de budget. Personnel, c'est personnel que le président a gagné. Par exemple, si j'ai besoin de graphisme, j'ai écrit. Et puis, le besoin de bagage, c'est le secrétariat général qui a écrit. Mm-hmm. Et puis, le secrétariat général a mis son besoin à la disposition dans sa président a gagné. Au besoin de graphisme, au Wendell, les baoul ou besoin on monde pour communication ou modèle yo baoul mais ou pas gagner rien on éviter confusion parce que si on dit c'est dans sa président gagne ça cap créer confusion ou pas préférer dire c'est ça la présidence gagne comme bon, budget bon l'aime dit la président m'a parlé de la présidence parce que si me parle de secrétariat général secrétariat général là son institution que lié donc président ça pour aller l'autre président a vini secrétariat général là toujours là et c'est même structure cap exécuter ça gagne pour exécuter en d'appaler, c'est comme ça que lié. Donc c'est les personnages qui s'en vont, mais la structure reste en place avec les gens qui gèrent la structure. C'est juste le président et la première dame qui changent. Bon, en plus, on a dit que c'est normal, la complicité entre vous et votre mari, président et première dame, parce que ouais, nous, souvent, partout, sauf dans vos ASA, que vous avez et main dans la main, et cette complicité, madame la première dame. Mais complicité, Ali. Il a longtemps son complicité de 22 ans, qui pourrait avoir 23 ans bientôt. Donc, nous passons pile mauvais moment ensemble, nous passons pile bon moment tout. Donc, mauvais moment, nous tirons le son de eux, bon moment, nous jouons. Donc, ça vient faire que nous collons l'une avec l'autre, parce que nous connaissons, nous comptons l'une sur l'autre. Parce que nous connaissons, le président premier et métier, c'est qu'il est mécanicien de profession. Donc, nous songeons que l'on a monté autopote hein, chaque week-end. Faut nous venir parce qu'on a étudié pour nous. Chaque week-end, faut nous venir pour nous voir ça autopote, ça t'es bon. Et puis, là, nous venons le week-end, nous avons une petite camionnette, une Toyota, une petite camionnette là, t'es qu'on en panne. Donc, c'est là, là, j'étais pièce, yo, et puis moi, je m'ai passé clé. Donc, comme ça, je nous avons toutes clés. Pendant que là, bah, machine, on dit, mais je telle clé. Et puis, bah, donc, c'est de là que complicité a venu réaliser. Est-ce que Jovenel Moïse a changé? Du coup, j'ai honte qu'on est là-avant. Et Jovenel Moïse, mon mari, n'a pas changé. Mais Jovenel Moïse, mon président, il a mûri. Parce qu'il a appris. Et tu sais que les expériences, ça te rend plus fort. Donc, mon président a mûri, mais mon mari n'a pas changé. Et c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on espérait obtenir comme réalisation importante de mandat président? D'ailleurs, mais toute salle de gain en tête pour payer pour le faire, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait tout. Et je connais courant 24 sur 24 là, faire quand même, parce qu'il n'a pas avancé à petits pas, en dépit de tout. Et il y a un barrage marion que l'a fait parce que livré. Vous pouvez partager, excusez-moi de vous interrompre, madame. C'est un dossier qui est tellement fait par l'empile. Écoutez, je ne suis capable de passer. Si je ne suis pas invoqué. Non, même David Souli. David Souli, mais quand même, et on dit que ça avance. Oui, ça avance malgré tout. Mais pas dans le délai imparti. Bon, et délai, là toujours. Ou peut-être qu'il y a deux ou trois villes qui n'ont pas fini dans le délai.
Mais dans les impartis, il faut vivre qui est fini. Courant 24 sur 24. Parce que il y a un pile ville qui est déjà. Pas rien. Je ne président qui a toute ville dans la tête. Mais s'il est là, il a toute ville. Il y en a après l'autre. Je ne pas rien, mais il y a plusieurs villes qui sont. Mais vous aimez ça, là, quand même, Mario. Ah oui. Le fait que précision. Le précision et mémoire. Et... Il est précis. Il est précis. Gros difficulté nous rencontrer en tant que couple présidentiel. Est-ce que c'est le politicien seulement revenu? Oui, en quelque sorte. Parce que le plus gros problème qu'on rencontre, c'est les politiciens qui ont un rôle parce que dans la ligne où on peut aller, il n'y a pas marché. Même si il y a toujours dit que c'est politique qui m'a fait, il y a l'autre qui dit que dans la ligne où on peut aller, pas aller là. Ou est-ce qu'on aller là? Ou pas quitter l'autre bagaille pour l'autre pour faire. Mais le pays est vierge, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Donc, si moi me choisis, l'homme dit moi me choisis, après la de président, pour faire trois bagages seulement, de l'eau courant route, mais nous avons tout reste pour nous faire. Parce que l'université a besoin en campus, l'école, la folle gratuite pour tout le monde à l'école, il y a plein d'autres choses à faire. Par exemple, santé, couverture vaccinale à 42%, tout reste payé autour de nous à 80-92%. Donc, il y a plein d'autres choses à faire. Mais il dit, ah, ouais, souhait, ou fait ça, président, ou pas quitter rien pour nous faire encore. Donc, là, c'est. Mais ça, c'est des conseillers qui disent ça ou bien des non, moins... Non, non, parce que le président, il parle toujours à tout le monde, même pas dans la campagne. Il parle à tout le monde parce qu'il dit ça que chaque candidat à la présidence, si vous êtes le candidat, c'est que vous êtes en tête pour le pays. Donc, si vous prenez chaque ça, on monde en tête pour le pays, nous mettons ensemble, nous avons sauvé le pays. Est-ce qu'on croit que le président de la République, dans les Paris, par exemple, pour ta chita, avec un pile ancien président, pour discuter de pays d'Haïti, d'intérêt pays, est-ce qu'on croit?